s'il ne s'est rien passé pour moi pendant 50 ans, oui, au moins 50 ans, même plus, ça déboule d'un seul coup depuis 2-3 ans. Tous les éléments y sont, celui-là. Oh. Dans d'autres ouvrages, il n'y a pas la réunion de tous les éléments, c'est-à-dire la terre, le sol, cette partie forte, rocailleuse, très, très, très dure, en fait, très noueuse, puissante. Les couleurs, là, ces gris-noir légèrement ombrés par endroits, ressemblent à des cailloux, à des rochers. Le tronc et le caillou se confondaient. D'arriver à ce côté rocaille pour en arriver aussi. T'es rentré à quelle heure ? Oh ben, plutôt que toi, hein. T'étais encore là, je pense. Je sais plus. Enfin, une heure et demie. Et qu'est-ce que ça te fait de voir tout ce monde là, autour de toi, quelque part? C'est toi qui génères tout ça? Non, je ressens pas ça. Tout ce qui est exposé existe par rapport à Léontine, ma compagne, quoi. Et qu'elle l'est toujours d'ailleurs, bien qu'elle soit partie depuis déjà bientôt, même 10 ans. Je tiens essentiellement à ce qu'il y ait l'existence de Léontine directement liée par un ouvrage. Mais comme, peut toujours arriver quelque chose, et que je n'aille pas jusqu'au bout. Alors, si je ne vais pas jusqu'au bout, je désire quand même qu'il soit exposé, et en y greffant, en y mettant dessus le document, où il est nommé Léontine. C'est au cas où il m'arrive quelque chose et que je ne puisse pas aboutir. La composition qui va suivre, là, c'est dans toute cette zone, là. Relier là, toutes ces petites pièces avec le scotch, bien sûr, pour que l'ensemble se tienne pendant que je compose. Souvent, les épingles me gênent. Pour positionner un petit bout de scotch, c'est toute une comédie, souvent. Merde! Mes gros doigts ne facilitent pas du tout cette manipulation minutieuse la plupart du temps que je suis obligé de faire, quoi. Et je m'étais même mis dans la tête, et ça a duré pendant très très longtemps, de faire maigrir les doigts. Et faire maigrir les doigts comme faire maigrir autre chose, c'est-à-dire je mangeais beaucoup moins pour... Je m'étais mis dans la tête qu'ils arriveraient peut-être à maigrir. Alors tout un peu le travail. Enfin, non, ça n'a pas du tout été efficace. J'ai maigri, oui, mais pas les doigts. Un petit rosé, là, qui fermerait, ouais. Tout ça, tout ces changements-là, c'est le fil du bois. Donc, pratiquement un travail. Il y a quelques parties
qui sont plus simples, de fil, qui se travaillent mieux. Mais une partie comme ça, c'est intravaillable, ça casse, c'est presque insciable, d'ailleurs, même. Et d'ailleurs, on va s'en rendre compte quand je vais le passer à la toupie. Pas très joli ce bois. Comment il est pas beau? Une merveille au point de vue des nuances et de la couleur. Ah, il est pas en bon état, non. Au point de vue des couleurs, c'est un Matisse. Ça, c'est un Matisse, tout simplement. La simplicité, la beauté, la lumière de ces deux couleurs, c'est un Matisse. Des gros doigts et plus de circulation dedans, c'est vraiment, ça en fait beaucoup pour faire un travail de précision. Je dis que s'il continue à pleuvoir comme ça, les champignons vont pousser. Dans cette opération, c'est de, surtout dans un passage dur comme ça, du bois, c'est que le ciseau échappe quand je force pour retirer le copeau et qu'il vienne esquicher, c'est-à-dire ébrécher l'arête. Plaf. Pour le collage, il faudra donc que ça soit plat. J'imagine le dessin, c'est ce qui m'intéresse d'ailleurs, c'est de retrouver ce spontané, se jeter, alors que c'est finalement un peu... c'est un dessin qui est plus peint que dessiné, là, ce que je fais avec le bois. C'est ça qui est intéressant aussi d'ailleurs. Lunettes de précision. Ça rentre pas. J'ai pas vraiment pas de retouche vraiment à faire, mais j'ai une question de profondeur. Là, j'ai du boulot. J'aime bien quand j'entends ce tac.
Ça veut dire bien rentré, bien ajusté. On va le mettre au niveau. Pas obligé de faire un AVC pour qu'on vienne filmer le panneau à l'hôpital. J'étais absolument pas obligé, mais bon, c'est comme ça. Mais je suis quand même assez surpris de la bonne tenue de l'ensemble qui est bien relativement haut, même plat, alors que je m'attendais à la trouver complètement gondolée par rapport à la baie vitrée, par rapport au soleil et tout. Faut dire qu'il est un petit peu protégé. Parce qu'ils ont mis devant, ça c'est bien dommage, mais enfin, bon, ben, l'un dans l'autre. Alors évidemment, ça n'a plus rien à voir avec ce que je fais actuellement. 79, eh ben, il a 38 ans alors. Il mériterait un bon coup de cire, parce que depuis le temps... Vous ne rentrerez pas à la maison, vous le savez. Face à un mur pendant un mois, ça a été un peu long, quoi. Alors je tiens à l'oublier, j'en sais rien, je m'en fous. Moi, l'essentiel maintenant, c'est de retrouver suffisamment d'autonomie et puis patienter, attendre que ça aille de mieux en mieux, quoi. Je sais plus où j'en suis puisque pour la première fois je me penche dessus, quoi. Je sais plus où. Je sais plus où j'en suis. Il me semble que j'en suis à l'incrustation de la dernière opération. Voyons voir ça. Oui, là, je vais m'arrêter. Oui, j'en suis à l'incrustation. À l'incrustation de ce que j'ai composé, là. Mais pour le moment, bon, il est absolument incapable de le faire, quoi. Ça vibre, ça bouge. Je tiens debout difficilement. Donc je suis incapable de le faire, donc je laisse tomber, j'oublie volontairement l'ouvrage. Ça peut s'améliorer, bien sûr, mais que je revienne dans un état absolument normal, il y a peu de chance. De temps en temps, je pense au panneau,
que je ne peux évidemment pas toucher, vu que je n'ai pas de précision. Ça s'améliore un peu sur le plan de l'écriture, mais faut vraiment que je m'applique. Hein. Tu retournes au panneau de temps en temps, voir ? Je ne regarde même pas. Je passe devant, tous les jours, je ne le regarde même pas. Je ne veux pas provoquer non plus, tu comprends, une plus grande difficulté, ce qui prouve que je ne suis pas détaché, parce que sinon je pourrais le regarder. C'est Léontine, probablement en Bretagne. Tu as toujours emmené un crayon, quelque chose ? Toujours, toujours sur moi. Ça, c'est Léontine, vue à l'envers. Et là, c'est l'arrivée à Bonif. À Bonifacio, j'ai sorti ma plume pendant que les autres sortaient leurs appareils photo. L'arrivée à Bonifacio. Et là, c'est tout Bonifacio que j'ai dessiné. Le cimetière, une véritable petite ville. Le crayon, le feutre, le stylo-bille, j'aime pas trop. Enfin, bon, peu importe. Ce qui compte, c'est ce qui ressort du dessin, hein, c'est pas la méthode employée. Y a des choses qui vont mieux avec un matériau qu'avec un autre. Ce n'est pas toujours employé d'une façon parfaite, parce que je n'ai pas sous la main, c'est le cas de le dire, dans les doigts, ce qu'il me faut. Mais par contre, je ne rate pas l'occasion de le faire. Hein. Que j'ai ou que je n'ai pas ce qu'il faut, je fais. Je n'ai pas pris une photo de ma vie, moi. Je ne suis pas photo. Moi, la plume, le dessin, le crayon, le stylo, enfin, ce qui me tombait sous la main. Pourquoi je l'aime bien ? Parce qu'il était très difficile à faire. Tout en voûte, bien sûr, hein, puisque le mur est cintré. Tout en voûte, les ouvertures, les perspectives, faire comprendre la profondeur et la descente. Alors là, c'est Madame Léontine, dans le train, en train de travailler, de lire. Je me rappelle son serre-tête. Elle travaillait, moi je dessinais, ça revient au même. Guitare et violoncelle, faites au crayon, il faut aller le plus vite possible. Et j'en rajoute, j'en fais pour recréer le caractère de la chose. Quoi. J'en ajoute pas, c'est toujours les mêmes, mais elles tournent encore plus que moi en ce moment. À droite, à la Léontine, sur un rocher, les pieds dans l'eau, un dessin plus complet, parce qu'il y a les nuances, il y a des contrastes. L'autre, c'est le dessin pur du trait, c'est-à-dire la vache. Non. Oui, alors, entre-temps, je me suis retrouvé à Strasbourg, j'ai fait ce dessin qui était très long. C'est un moulin extraordinaire. Oh, ben là, c'est Barfleur. Oh. Ah non, c'est celui-là. Oui, alors là, celui-là, 4, il m'en a fallu de pages. Parce qu'il y a le port, je ne sais même plus. Quoi. Ah bah oui. Alors là, c'est la vie rehaussée de gouache. Je vois là, puisqu'il y a ce surfaçage blanc. Fait au pinceau, directement au pinceau. Toujours parfois, bon, là, tiens, il y a des mouettes là. Il y en a une qui est très bien saisie là.
Je me demande même qu'elle vient faire ici. Ah oui, alors celui-là, ben celui-là, j'en ai fait les photocopies agrandies parce que c'était le matin de bonne heure, le port complètement bas, quoi, à sec. Ah oui, en clair-obscur, hein. Complètement en silhouette, quoi, en ombre chinoise. Dix, vingt, trente, quarante. Trente. Et quatre-vingt. Qu'est-ce que tu bricoles, là, Henri ? Oh là, le chapeau de la cheminée du poêle de l'atelier. Parce qu'il est complètement naze. Il faut vraiment le refaire, là, maintenant. Tu te remets à bricoler. Je fais ce que je peux. Bon, ça va à peu près. Oh là, ça tourne. Putain, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Ça va pas être facile, ça. Bon, là, il y a un trou, je pourrais l'utiliser, mais il serait un peu grand. Non, il vaut mieux pas. Oui, ça va pas très bien aujourd'hui. Ça vibre. Ça vibre plus que d'habitude. Aïe, 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 aïe. Je sens bien que ça va pas bien. Et moins bien que les autres jours parce que j'ai mes gestes maladroits. Tu vois, regarde. Je tiens le couteau difficilement. C'est curieux parce que finalement, c'est pratiquement une régression, là. Par rapport à ce qui devrait se passer. Alors, regarde-moi ça. Ça saute pas non plus finir. Je ne tiens plus rien dans mes mains. Ça te met pas en colère des fois ? Non. Le fait de ne pas pouvoir fonctionner comme tu fonctionnais. Ah, là ! Putain, merde ! Et ainsi de suite, c'est sans arrêt. Mais c'est tout. Ça va pas plus loin. Ça m'atteint pas. Si tu veux. Ouais, je le dis, mais ça ne m'atteint pas. Ça ne m'atteint pas moralement. Là, aujourd'hui, je fais gaffe. Par contre, c'est de ne pas me couper. Parce que alors là, j'ai cette comédie de fluidité du sang qui rentrerait en jeu et qui me compliquerait bien l'existence. Ça te va comme ça ? Oh, bah oui, c'est impeccable. C'est tout tordu, mais ça va très très bien. C'est au poil. Je payais depuis 16 ans. Tout était bon, paysage, nature morte. À l'époque, il y avait l'influence des impressionnistes, très forte, principalement Cézanne, Van Gogh. Enfin bon, peu importe les noms. Et donc, suivant cette ligne-là, j'essayais de m'adapter, jamais été content de ce que je faisais. J'étais en permanence assez découragé, quoi. Souvent, je me posais la question pourquoi j'insiste. Bon. Mais j'insistais. Voilà. Pourquoi j'insiste, mais j'insistais. Je rentrais à la maison où j'avais canaliser une pièce dans ma chambre, je payais, là, et dehors, je faisais les plages, principalement les plages, ouais. Ou les bords, quelques bords de mer. Oh, qu'est-ce que ça a changé ? Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce que j'ai pu changer ? Moi, ah moi. Oui.
Enfin, moi, la peinture, tout, quoi. Ça me rappelle l'épicerie de ma mère, qui est dehors, d'ailleurs, en train de trier des légumes, à Beaulieu, Beaulieu-sur-Mer. Qu'est-ce que ça te fait de voir toutes ces peintures réunies, là? Oui, c'est la première fois. C'est la première fois qu'il y a réunion d'autant de distance. Tout y est, quoi, si tu veux. Hein, tout y est. Les huiles, les grandes gouaches, les petites. Donc la peinture à l'eau, la peinture à l'huile, les hortensias. Ah, j'aime bien, elles se composent bien. Une tendance cubiste, moi. Enfin, disons que ça n'a pas grande importance. Elles se composent bien. Puis ce petit rose qui se balade, là. On se demande ce qu'il vient faire. Mais il y est bien, en plein, au milieu, mais presque. C'est assez curieux. Un accident dans le parcours dont j'ai utilisé, quoi, que j'ai utilisé. Parce qu'au départ, c'était pas un Christ. Non, tu voulais, non, c'était un arbre en fleurs, alors tout. Pastel. Je redécouvre en même temps. Les arbres étaient complètement massacrés, les branches cassées, les fruits par terre, bien sûr, c'est pour ça qu'il y a ces taches rouges, les pommiers, là, cette rangée qu'il y a à la Rosie, qui est reprise ici d'ailleurs. Les mêmes arbres, hein, mais sous un angle différent, un peu différent. Ce sont des tournesols de pleine nature, en opposition avec où est-ce qu'ils sont les autres. En opposition avec une nature morte, c'est-à-dire un vase. Très difficile de parler de la peinture, et c'est encore plus difficile de parler de soi. Alors là, cette petite peinture, je la garde parce que c'est celle qui était dans la chambre de Léontine. Ça fait partie des dernières peintures que j'ai faites. Alors, c'est quoi les nouvelles, Henri? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, là. Deuxième AVC. Je suis en train de faire. Alors, je fais très attention, bien sûr. Ça, c'est l'examen de l'IRM. Je l'ai à peine senti venir, si, bien sûr, par la fatigue, par le vertige qui s'accentuait. Mais sinon, je n'ai pas eu de crise, je n'ai pas eu de choc, je n'ai pas eu de... De rupture, quoi. Vraiment très 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 mauvais à cette semaine là, la semaine dernière. Il y a une semaine. Alors, ils m'ont donné un médicament supplémentaire, ils m'ont fait l'ordonnance quand même. J'ai été le chercher, j'ai été le faire prendre d'urgence. Et je suis rentré. Sans hospitalisation. Je préfère finir, si je dois finir, dans les bois qu'à l'hôpital. C'est tout. Tu as laissé le panneau pour l'instant. Oui, parce que le panneau, lui, c'est continu. C'est pas la peine que je m'y mette pour 2-3 minutes et être obligé de m'arrêter. D'abord parce que je ne peux pas, je ne saurais pas où j'en suis. Je ne peux pas me comporter comme ça. Alors que pour le MAPS, c'est différent. Je suis précis une bonne fois pour toutes. Mais alors là, je mets du temps, hein, pour retomber juste au millimètre. Hein, les demi, je ne les vois plus. Mais de millimètre en millimètre, j'y arrive. Mais très peu de temps. Alors, j'en profite pour régler la machine d'une façon précise.
Après, c'est elle qui fait le reste. D'où cette histoire-là, mais là, c'est pas la machine, c'est le bois qui m'a échappé. En partie de ma faute. J'aurais dû prendre un outil pour le tenir au lieu de le tenir directement à la main. Mais enfin, bon, j'y ai pas pensé. C'est quoi, tu ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans que je travaille le bois, j'y ai pas pensé. Et tu t'es blessé bien ou quoi au doigt? Ah bah oui. Ça dure, hein. Ça fait maintenant plus de 3 semaines. Hein. Ça va bien, je l'engage la 3e semaine, je crois. J'ai des soins tous les deux jours. J'ai été recousu comme un saucisson. Mais rien d'important. Rien de grave. Mais c'est sérieux. Et très handicapant. Parce que là, je ne pouvais pas faire la place. Toute la main gauche. La main gauche. Les yeux. Les vertiges. Là, ça suffit. Donc, c'est quoi ce nouveau projet de meuble, là? C'est un meuble que je devais faire avec Laurentine. Bon, mais il n'a jamais été fait, puis... Il n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas eu cette circonstance particulière où c'est l'ouvrage, le seul ouvrage que je puisse bricoler, étant donné qu'il va être argenté. Alors, par le fait de tas d'erreurs, tas de conneries que je peux faire, vu mon état, vu beaucoup de choses, l'imprécision et tout, il n'est plus question que je fasse le panneau pour le moment. Donc j'ai engagé ce meuble pour dire de faire, parce que j'ai besoin de faire. Et le fait des erreurs, le fait de l'imprécision, sera camouflé par de l'enduit, une grosse épaisseur d'enduit, étant donné que c'est argenté, et cela n'a donc aucune importance. Faire le contraste qu'il y a entre le côté absolument naturel d'une vieille branche, de châtaignier d'ailleurs, et la base tout à fait géométrique. Et très, 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 très précise. Ce qui me demande d'ailleurs la haute précision. Tandis que ça ne me demande aucune précision. J'ai tout un trafic technique pour mettre ça vraiment au point de vue solidité. On a du mal à imaginer que tu puisses mettre une souche, là que j'ai devant moi, exposée avec un meuble. C'est très dur à comprendre. Ah, mais ça ne peut pas se comprendre. Ça ne peut que se voir. Ça ne peut pas se comprendre. Je ne sais même pas comment le faire comprendre. Je ne sais pas ce que ça donnera non plus. Il faut attendre que le meuble soit fait. Alors, tu ne sais pas ce qu'on va faire. Tu me transportes ce tas de planches-là. Ah bah oui, il va mieux comme ça. Bon, ben voilà, là c'est bon. Thierry, tu veux me rendre un service? Ils sont pas légers, hein? Ah non, ils sont pas légers. De sergent, on les trouve pas abricots, hein. Bon, là ça va. Il est temps que je finisse cette pièce parce que je ne sais plus où j'en suis, moi. Oh putain, impeccable. S'ils avaient tous marché comme ça. Bon, alors les gants sergents. Voilà. C'est bon. Thank you.
Parce que, hop, échappé. Ouais. Bon. Allez, tiens. Il avance quand même pas mal vite, ce meuble. Oh non. Non, il avance pas vite, non. Tu trouves ? Oh non. Par rapport à ce que... Ah, à un état normal, quoi, d'attitude. Pour dire de faire. Non, il avance pas vite. Donc là, c'est ce que je fais en ce moment. Seulement, il faut que je fasse attention parce que si jamais il y a une erreur, enfin, j'ai vérifié avant, hein, bien sûr. Voilà. Et je ne veux pas mettre de la colle partout. Oh, il y a de la colle partout, j'ai horreur de ça. Oh, bah, putain, ça ne va pas du tout. Ah, ben. Bah. Comment ça se fait ? Ah, oui, allez, en merdant ta bête, ta languette, putain de putain. Ah. Oh non, il n'y a rien à faire. Hein. Ça rentre pas. Bon, en haut, c'est bon. Et en bas. De toute façon, j'y fais rien. Bon. Ça, faut pas le faire sur l'autre. Oui, bon, bah, quelque chose près. On va faire du forcing, mais disons que ça va pas si mal que ça. Hop, allez. Ça, faut pas le faire sur l'autre, j'ai dit. On ne touche plus. On ne regarde même plus. Voilà, c'est bon. Je ne sais pas si elle va passer en hauteur. Hein. Bon, peut-être. Oh, tout juste. Parce qu'une fois qu'elle est dedans. Ah non, elle ne passera pas. Hein. Oh là là, ce pot. Vraiment un rare. Hein. Ça, c'est du pot. Premier temps, c'est impeccable de l'entendre, c'est une fraîcheur, enfin bon, pas de tout commentaire, mais ensuite je n'ai qu'un seul désir, c'est de lui couper les cordes vocales, parce que alors, tout le printemps, seriné par le coucou, tous les jours, du matin au soir. Saloperie. Où est le deuxième ?
Oh, c'est limite. C'est déjà cassé la gueule deux fois. C'est pas le moment de continuer parce que il n'y a plus rien à rester de ce panneau. Oh, mais pourquoi il ressort comme ça, bordel de merde ? Je m'arrête, je m'énerve. Je sais que ça va mieux, mais ça se présente mal. T'as un paradoxe, mais c'est comme ça. Ah, je le ramène là-bas. Jusqu'à temps que ça aille. Bon, enfin, je me comprends. Donc, tu vois, là, c'est impeccable. Il y a tout le débord qu'il faut. Les panneaux sont mis. Assemblés là. En bas, non. Mais à cause du tiroir, je laisse tomber pour le moment. Là, tu vas me donner un coup de main en forçant. Très bien. Essaye de retaper. Peu importe. Ah oui, bronche pas d'un poil. Hein. Bronche pas d'un... Alors, attends, bouge pas. Bouge pas. Bon, bah non, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, non. Ça y est. La souche, la branche, tu veux dire, oui. Ben, elle est là. Et là, elle va aller, ah oui. Là, elle va aller là. Je veux pas y penser. Parce que j'ai travaillé en même temps l'endroit et l'envers. Deux parties, hein, ce meuble. Ça, c'est le meuble, l'autre, c'est la présentation de la pièce. Regarde-moi ça. Mais regarde-moi ça. Il n'y a plus aucun doigt que je sens là. J'ai allumé ce matin, j'ai allumé hier soir. Enfin, c'est l'hiver, quoi. Je ne m'attendais pas à allumer ce poil. Bon. Ça devrait coller. C'est le cas de le dire. Voilà. Oui. Ah oui. Ah oui, mais alors là. Oh, ben non, il ne peut pas rentrer. Il n'y a pas la rainure là. Mais qu'est-ce qui se passe ? Là, quel con d'avoir tout mélangé. Là, il est temps qu'il se finisse. Hein. Que je pense à autre chose. Voilà. Oh putain, puis je peux plus cogner, moi, là. Oh merde, j'ai envie de pisser. Oh putain. Merde, dans quel sens c'était ?
Là, faut être deux. Là, faut que tu mettes. Il y a des défauts comme d'habitude. Mais dans l'ensemble, il faut dire que c'est un peu particulier. Jamais j'aurais pensé. Il aurait fallu le faire dans un état. Dans un bon état, c'est-à-dire être plus précis. J'ai pas été assez précis. Mais enfin, on s'en sortira quand même. C'est pas facile. Alors bon, c'est le maintien de toute la branche. C'est l'opération la plus délicate. Et la fin du meuble. Faire attention aux ronces, faire attention aux fougères, faire attention à ceci, à cela, je fais plus attention aux champignons. Et c'est pour ça que j'en trouve très peu. Bon, alors attention, celle-là, il n'y a pas de striure, elle est bien rose, et les pustules sont grises. Donc, tout fait que c'est une des délicieuses. Merde! Oh ben alors, si je fous des saloperies dedans, ça ne sert à rien. C'est pas un cèpe? Non. Non, mais bon, j'ai un petit peu. Éviter de manger des champignons crus. Les goûter comme ça, les recracher, ça va. Pour savoir. Bon, il est un petit peu. Oh, tiens, j'ai mon truc. Merci, Harry. Bien frais. Ça stimule un peu. On me dit, t'as bonne mine. T'as dit, tu vas mieux, tiens. T'as bonne mine. Viens encore. Bon, la chambre, ok. Qui sait que j'ai eu ce problème? Oh, t'es en forme. Bon, hier, ça allait un petit peu mieux qu'aujourd'hui. Enfin, quand même, j'étais pas en forme. Je ne suis plus en forme. Mais maintenant, je m'aperçois que lorsqu'il y a il n'y a pas de déboulonnage, ben, c'est une forme de forme qui apparaît, parce que ça, c'est terrible, hein. Imagine-toi que tu ne puisses plus te servir de ton outil correctement. Tu ne vois plus ce qui passe sur la visionneuse. Tu deviens fou, là.
quelle partie du meuble, là? Ça, c'est la porte. Mais alors là, si on se relief, là, ça va, pas du tout. Et je vois ces moutons promis à la boucherie par un drôle de destin qui fait pleurer d'amour en attendant qu'on les mange. Et eux-mêmes, ils mangent l'herbe, en attendant le boucher. Et la belle bouchère, elle trône à la caisse. Et ce soir, dans le lit dont l'odeur d'eau de lavande cache le parfum de l'or, de la graisse et du sang. Je suis vivant, mais je ne peux pas assister à quoi que ce soit, à participer à quelque fête que ce soit dans l'état où je suis maintenant. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. De ceux que je connais et de ceux que je ne connais pas, j'embrasse tout le monde et je suis avec vous. On est avec toi, Henri, nous aussi. Faut oublier, faut vivre le moment. Hein. Faut vivre le moment, que j'y sois ou j'y sois pas, peu importe. Hein. Tu crois que ça m'a amusé, moi, de rester là Et forcément, j'y ai pensé. J'ai pensé à cette soirée. Mais laissons, c'est comme ça. C'est quoi ton produit, là? La colle de peau, la colle de lapin. La colle de quoi? De lapin, peau de lapin. C'est pour ça qu'on l'appelle la colle de peau. Quoi, mais la peau de lapin. Là, voilà, c'est de l'enduit. L'enduit est mou, mais de l'enduit. Bon, c'est suffisant. Et après, tu peins? Après, je peins. Et c'est là où je passe au rouge. Puis, j'y vois plus. Le dessus est terminé. Et c'est quoi le trésor dedans? Ce qu'il y a dedans, c'est de la l'encre jaune. Bon, heureusement que... Oh, voilà l'or. Voilà alors, oh si j'en ai plus que je ne pensais. T'as pas encore choisi ta couleur? T'as pas choisi la couleur encore? Pour la sous-couche, non. Mais pour le haut, hein. Le bas c'est rouge, hein. Ça c'est sûr. Voilà comment on fait de la peinture. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pigment, colle de peau de lapin. Je croyais que c'était du rouge que tu voulais faire. Oui, mais je vais le faire en transparence. Après, je continue au rouge. Je fais tout de la même couleur. Le rouge ne me plaît pas trop. Je vais le rendre plus lumineux. Oh, ce merdier, ça le détrempe complètement. Bon, ça fait rien. C'est parti. Je pèse 6, hein. Il n'y a rien à faire. Oh oui, il est trop liquide. Hein. Avec ma nouvelle condition d'existence, où je fais ces promenades, où je croise des vaches tous les jours, je les regarde, je vois leur petit veau, je vois, c'est une compagnie et je suis sur un plus sensibilisé, si tu veux, maintenant encore qu'avant. À midi, là, je regardais ses anchois, ne serait-ce que des anchois. C'est pauvre, il avait une toute petite tube. Enfin, ça y est, c'est parti. Je suis de plus que jamais décidé de faire cette expérience de végétarien. Voilà. Ce voyage s'est bien passé, un mois au Québec, un mois qu'on ne s'est pas vu. Ah bah oui, ça faisait longtemps. Bah moi j'ai avancé tout et je t'attendais. Hein. Voilà, alors on va voir le meuble. Tu vas plus le reconnaître. C'est pas mal, je suis assez content de moi, mais surpris, surpris surtout. Bon, je te passe devant parce que je mets plus longtemps d'une part et je me tiens. La façade s'est très très bien passée, elle était plus
plus sèche. Elle prenait beaucoup mieux. Les deux côtés, j'ai eu du mal, mais je les ai faits d'un seul tenant. Hein. Mais bien sûr, séparément, l'un après l'autre. Ça commence là, ça. Mais je ne peux pas encore glisser mon doigt. C'est un peu tôt. Bon, on essaye une feuille entière. Et si ça ne va pas, on attend un petit peu. Mais c'est de la rigolade, tu vois. Oh, c'est magnifique, remarque. L'argent, cet argent est trop vieux aussi. Tout est trop vieux, là. Y compris moi-même. Normalement, c'est ça. Tu vas rattraper les trous, là ? Oh oui. Mais alors là, à ce moment-là, pour être sûr de mon coup, je prends du long adhésif. Oh là là, tout accroche. T'en comptes un peu ? Là, voilà. C'est ça, je voulais récupérer. Tiens, je le mets là. J'espère pas me tromper, je n'ai même pas pris la mesure. Si je m'en sors à l'adhésif, ça va aller très bien. Ça va me soulager, mais ça va être la galère. Hein. Je vais pas finir. Mais enfin, bon. Et le régime végétarien, tu t'en sors ? Aucun problème. Enfin, si, j'en profite pour simplifier l'alimentation. J'ai étudié, bon, quand même un peu plus sérieusement, la question avec des habits pour les protéines, parce qu'il en faut. Bon, donc je ne fais pas ça n'importe comment, mais... moralement, ça ne me pose aucun mot, au contraire même. Je vois les vaches différemment, je vois les veaux différemment, je vois une araignée différente. Mais je suis beaucoup plus sensible, bien sûr, à la vie, quoi. À la vie en général, pas que des animaux. Le meuble est très bien, mais sans la branche. Il est bien comme ça, sans la branche pour laquelle le meuble a été fait. Parce que je m'aperçois que, bon, je n'ai pas senti ou j'ai été trop préoccupé cette horizontalité de ce passage du meuble à la branche par rapport à la branche qui allait verticale. Ça ne va pas, quoi. La conception de cette pièce-là, peinte, ne va pas. Il fallait... maintenant, je le vois, il faudrait quelque chose qui suive la branche. Cette pièce ne change pas au point du volume, mais pas avec les rayures horizontales. Et que ça... amène la verticalité de la branche. Voilà. Bon, ça ne sera pas fait. Cette pièce-là doit être changée pour la branche. Elle ne le sera pas parce que le meuble, pour moi, est terminé.
restant le support d'une petite sculpture, d'une chose, ça reste un meuble présentoir, mais pas pour la branche. Voilà. Manque de peau, le dernier ouvrage que je fais, j'y trouve cette critique. Mais comme bon, peut toujours arriver quelque chose et que je n'aille pas jusqu'au bout, alors si je ne vais pas jusqu'au bout, je désire quand même qu'il soit exposé et en y greffant, en y mettant dessus le document où il est nommé Léontine. C'est au cas où il m'arrive quelque chose et que je ne puisse pas aboutir. Plus grand paradoxe, si tu veux, c'est que plus je vais mal, plus je m'approche de quelque chose d'invivable, plus intérieurement je me sens très proche, plus proche que jamais de la vie.